Allez, salut à toutes, salut à tous. Denis Live Solo en direct de Lorient, toujours. Avenue Jean Jaurès, au niveau du Cheyenne, où il y a déjà une grosse ambiance avec les ultras de Lorient. Et voilà, j'ai vu avec certains. Du coup, je vais garder mes distances pour pas qu'on puisse voir des visages ou autres. Mais je vais vous faire plein de petits lives ce soir. Vous montrer un peu l'ambiance d'un groupe d'ultra, comment ça fonctionne. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. J'ai oublié de mettre les étoiles au cas où. Hop là. Ouais, j'ai pas réussi à les mettre, c'est pas grave. En tout cas, merci à toutes, merci à tous. Voilà, je vais vous montrer de loin ce que ça donne pour pas que vous voyez leur visage. Et puis, il va y avoir plein de micro-live, on va dire, tout au long de la soirée, avec pour terminer la soirée avec un feu d'artifice. Voilà, c'est ce soir, c'est ambiance FCL, FC Lorient, pour le maintien en Ligue 1. Hop là. Donc, je vous laisse voir, vous voyez, ça se passe tout au bout là-bas. Il y a ouais, une bonne cinquantaine d'ultras, et il va y avoir une grosse ambiance ce soir, en tout cas. Voilà, donc c'était pour vous montrer, que vous puissiez voir, par respect vis-à-vis d'eux. Voilà, je m'approche pas, parce que il y en a certains qui n'ont pas forcément envie qu'on voit leur visage. Donc voilà, je vais zoomer un tout petit peu vite fait. Voilà. Ça se passe au Cheyette, ça se passe à Lorient. Après, tout ce que je peux vous dire, en tout cas, chose de sûre, parce que souvent, on a tendance à dire des conneries sur les ultras. Et je peux vous dire que les ultras de Lorient, ce sont vraiment des gens sympathiques, où il n'y a aucune animosité, il n'y a aucune violence. Voilà, c'est école, bon enfant. Voilà. Donc, vous avez pu voir un moment. Voilà. Tout à l'heure, ça va repartir en cortège. Ça va partir au stade pour l'accueil des joueurs. Et j'ai vu, du coup, je vais rester en arrière-plan. Et vous pourrez voir l'ambiance aussi pour aller jusqu'au stade et pour accueillir les joueurs. Du coup, les images bougent un peu parce que j'ai pas le stabilisateur. Parce que je pourrais pas rentrer au stade avec le stab, mais voilà. Donc, bah voilà, j'avais un peu envie de vous montrer les coulisses, comment ça se passe au niveau supporter l'orienté et au niveau ultra. Ben écoute, Mounir, il ne se passe jamais rien dans mes lives. Si ça te convient pas, tu sais, il n'y a aucune obligation, Mounir. Hein. Tu es libre d'aller où tu veux. Si tu n'aimes pas, tu as juste à faire un truc. Tu t'enlèves et tu vas voir autre chose. Hein. En fait, les ultras, Véro, alors les ultras, c'est des groupes de supporters. C'est des groupes de supporters, voilà, tout simplement. Et souvent, on les assimile à des violents, et c'est pas du tout le cas, en fait. Voilà, les ultras, c'est des gens très sympathiques. Moi, je ne suis pas ultra, et ce soir, je vais passer la soirée avec eux. Et je sais que ça va très bien se passer, et je sais qu'il va y avoir une putain d'ambiance, en tout cas au stade, parce que, voilà, la saison est faite, hein, c'est bon, l'année prochaine, ils vont jouer en Ligue 1. Donc le maintien est assuré et voilà quoi. Voilà les amis, en tout cas, bah merci pour vos commentaires. Je vous dis, je vais faire plusieurs lives ce soir. Il y aura plusieurs petits lives. Et voilà, vous montrer un peu les coulisses et l'ambiance avant un match de foot. Le match, il est à 21h, vous voyez. Et c'est même pas 18h, ça fait déjà 1h moi que je suis sur place. Et je peux vous dire que il y a déjà de l'ambiance devant le Cheyenne. Voilà. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure, au cas où. Et puis, sinon, bah, n'hésitez pas à liker, à partager. Merci pour vos commentaires. Et ouais, ce soir, je vais être avec les ultras, ouais. Tout à fait, Jérémy. Et puis voilà. Et puis, je vous dis, hein, moi, mes lives, c'est pas que des manifestations ou des rassemblements sociaux ou du matraquage de CRS ou des feux de palette. Ou live solo, c'est de tout, en fait. C'est tout ce qui se passe du côté de Lorient. C'est mettre les artistes, les artisans en avant. Et aussi, bah voilà, le sport aussi en même temps. Donc voilà.
Mais en tout cas, voilà, vous avez la réponse par rapport aux ultras. Les ultras, c'est comment vous expliquer ça? C'est un mouvement de supporters, entre guillemets, qui n'est pas forcément méchant. Des fois, on a tendance à confondre les ultras avec les hooligans, et c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais un peu les mettre en avant à distance, et puis je suis le premier supporter du FC Lorient, donc voilà quoi. Ah bah écoute Jérémy, au cas on s'enverra des signaux de fumée pour se faire coucou, voilà. En tout cas pour ceux qui seront au match, bah bon match à tous, j'espère qu'on aura une belle victoire. J'ai qu'il y aura un feu d'artifice, le feu d'artifice vous l'aurez en live aussi. Et puis voilà, je vous dis plein de micro-live par rapport au FCL ce soir, et puis voilà. En attendant, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à plus tard. Ouais, coucou les amis, re-coucou. Bienvenue à tous et à toutes sur le live. Toujours en direct de Lorient. Voilà. Ambiance festive, ambiance FCL et ambiance ultra. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ça se passe derrière moi, il y a plein de oranges, il y a plus de 200 personnes, et je vais garder les distances parce que voilà, je me dois de entre guillemets de préserver leur anonymat, c'est ce qu'on m'a demandé, donc voilà, je vais préserver leur anonymat à distance, mais vous allez voir l'ambiance des ultras et l'ambiance FCL, l'ambiance que c'est. Un soir de match, surtout ce soir où le maintien est assuré pour la Ligue 1 et voilà. Et regardez, il passe en courant, il s'appelle Ben. Voilà les amis. Donc je vous laisse liker, je vous laisse partager et je vais vous montrer ça à distance. Vous allez voir. Je pense que vous allez sûrement les entendre de toute façon et voilà. Je pense que vous les entendez en tout cas. Je vais essayer d'aller mettre de l'autre côté comme ça. Les francs. Vas-y. C'est bon ça. Je vais garder de la distance. Hein. Bah forcément, il y a les forces solaires qui sont là. Et voilà, ça se passe sur la route, hein. En mode comme une manif. Donc ce soir, c'est vraiment ambiance très très festive. Hein. Voilà, le maintien est assuré, mais c'est la grosse teuf. Hein. Alors désolé pour la qualité d'image. Le problème, c'est que ce soir, j'ai pas le stabilisateur vu que je vais aller voir le match après. Du coup, le stabilisateur est considéré comme un projectile. Donc voilà. Mais grosse ambiance. Hein. Je vais vous montrer en... Je ne sais pas si vous voyez, il y a les fumigènes là qui sont éclatés.
Ah, il y en a une, j'ai le droit de la filmer. N'hésitez pas à liker, à partager les amis. Voilà, ça craque du fumigène. Je zoome pas hein, par respect. Je me suis mis derrière comme ça, ils sont de dos, on les voit pas. Et voilà, grosse ambiance ce soir à Lorient en tout cas pour fêter le maintien. De toute façon, hein, le maintien est assuré. Lorient jouera l'année prochaine encore en Ligue 1 et voilà. Merci pour vos commentaires. Hein. Je vois pas les prénoms, mais je vois vite fait les commentaires qui... En tout cas, grosse ambiance. Hein. Vous voyez la Bretagne, bah... Et le premier qui va dire que les ultras, c'est tout des déglingos, bah... Là, au moins, je vous prouve tout le contraire, en fait. Voilà ce que c'est que... Voilà ce que c'est que des ultras et des bons ultras, en fait. Voilà. Bah, du coup, c'est un peu le bordel, hein, ce soir, sur Lorient, voilà, comme vous pouvez le voir. Et encore, vite fait. Bon, les forces de l'ordre sont là. Hein. Voilà les amis, vous voyez l'ambiance, ce que c'est en fait, les festivités en Bretagne, ce que c'est, et sans aucune violence. Voilà, donc je vous laisse liker, je vous laisse partager, tout ce que vous voulez. Moi je vais aller m'ambiancer un petit peu avec eux, et je referai un live dans quelques minutes. Voilà, je vous fais des bisous, et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci, ça va? C'est gentil, merci beaucoup. Likez, partagez les amis, ambiance ultra Lorient.
N'hésitez pas à liker, partager, voilà. Ambiance ultra au niveau, entre autres à Lorient. Et comme quoi, ça se passe toujours bien au niveau ultra. Hein. Ben, je reste à distance pour éviter qu'on voie trop les visages, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie qu'on les voit. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, voilà. Je vous apporte un autre contenu ce soir. Et ça fait plaisir de pouvoir vous faire vivre ça et de pouvoir vivre ce moment-là avec eux. Là, il y a le quart des l'orienté, le quart des joueurs. Merci pour les étoiles, les amis. Jérémy Morel, juste là, juste ici avec nous. Jérémy. Là, Jérémy Morel, juste là. C'est Jérémy. N'hésitez pas à liker, partager les amis. Live solo en direct de Lorient.
en mode ambiance ultra. Merci Jean-Pierre pour les étoiles. Excusez-moi, je suis un média indépendant, la presse, pardon. Ambiance de fou ce soir, franchement, ambiance de ouf. Pardon, excusez-moi, je suis un média, j'essaie de... Hop là, merci. Vous allez avoir le droit aux joueurs là en direct, hein, les amis. Likez, partagez, n'hésitez pas. Le staff et les joueurs là qui arrivent. Allez Lorient ! Allez Lorient ! Moi personnellement j'attends Fabien. Voilà les amis, ce que c'est qu'une ambiance footballistique quand on est en mode fête, quand on fête le maintien, qu'une équipe reste en Ligue 1, bah voilà comment ça se passe les amis, c'est comme ça et voilà. J'espère que le contenu vous convient. Je suis désolé, j'ai pas pu prendre le stabilisateur avec moi parce que forcément le stabilisateur est vu comme un projectile, donc du coup les images bougent un peu. J'en suis désolé, j'essaye de faire le mieux que je peux, j'essaye de vous amener la meilleure visibilité possible. Mais voilà, en tout cas, il y a une grosse ambiance ce soir à Lorient, ça se passe tout derrière moi,
Vous avez pu voir la descente des joueurs, la descente du car. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Ça vous permet de voir autre chose. Moi, vous savez que c'est dans ma nature de pouvoir vous partager plein de choses différentes et essentiellement mettre l'Orient ou l'agglomération lorientaise en avant. Ben voilà, c'est chose faite. Donc, moi, personnellement, en tout cas, je kiffe, je me régale. J'espère que vous vous régalez, vous aussi. Et voilà, en tout cas, bah, grand plaisir de vous faire partager tout ça, les amis. En tout cas, je remercie encore Jean-Pierre pour ses 200 étoiles. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour tes étoiles. C'est vraiment gentil de ta part. N'hésitez pas, si le contenu vous convient, vous avez, pour certains, vous avez des étoiles. Si vous avez envie de me balancer des étoiles, bah, n'hésitez pas, ça fait un petit peu de finance. Vous savez qu'actuellement, Life Solo, je n'en vis pas du tout. Mais j'ai des objectifs par rapport à Life Solo et voilà, quoi. Grand merci à vous, en tout cas. Et on se retrouve tout à l'heure, je vais refaire d'autres lives. Ce soir, il y aura un feu d'artifice après le match, vous aurez le gros feu d'artifice. Voilà, plein de choses encore à voir et à découvrir en live. Et j'ai envie de dire un truc, allez Lorient, et merci Lorient de rester en Ligue 1. Voilà. Et regardez qui c'est que j'ai trouvé avec moi, DJ, redis-moi déjà DJ. La creuse. Voilà. DJ Amorce. Voilà, le René, comme quoi, il n'y a pas de petites rencontres, il n'y a que des belles rencontres, et voilà. Et je sens, alors, vas-y, me fessé. Et voilà. Voilà. C'est bon. Ouais, j'ai le ticket, ouais. Grand merci. Je sais qui. Attends, je finis le live et je te montre. Prends mon numéro. 5 balles. J'ai un truc à faire. Attends, deux secondes, je coupe mon live. Bah, les amis, on se retrouve tout à l'heure. Comme d'habitude, partagez, likez un maximum. Je vous apporte les images, la visibilité, c'est vous qui la faites. On se retrouve plus tard. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Des bisous, à plus tard. Salut. Recoucou les amis, re-salut. Voilà, Denis, Life Solo, en direct de Lorient, en direct du Moustoir. Ce soir, gros stuff, grosse soirée au Moustoir, voilà, pour fêter le maintien de Lorient en Ligue 1. Et voilà, donc moi je suis déjà dans le stade, comme vous pouvez le voir. Et puis voilà quoi. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. J'essaye de vous ambiancer un max ce soir parce que c'est pas souvent qu'on peut faire des lives en mode ambiance, en mode ultra, voilà. Donc, tenez, je vais vous montrer un peu. Je vous dis, il y aura plusieurs petits lives ce soir. Là, c'est le troisième. Voilà. Ça se passe comme ça, ultra en Orient. Donc, il y a du talent hein, quand même. Hein. Il y a du talent. La tribune des ultras, elle est juste là. Voilà, c'est cette tribune-là. Et voilà, vous avez les joueurs là-bas. Alors, je suis désolé, j'ai pas le stabilisateur. Mais voilà, les joueurs sont là-bas. Et je crois que le stade ce soir, ça va jouer à guichet fermé. J'ai même avec moi, je vais voir s'il est OK pour que je le filme. Mais j'ai un supporter lorienté qui est un supporter lorienté, voilà. C'est là que l'ambiance se fait, ça c'est la cage de celui qui ambiance les ultras. Le mec se met ici, face au public, face aux ultras, et l'ambiance, elle se fait d'ici par rapport aux ultras. Tu veux dire quelque chose? Tu veux passer ou pas? Non? Là, il y a d'autres tags encore. Je vous laisse admirer quand même parce qu'il y a du lourd. Bon, je vois aucun commentaire, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Mais voilà les amis, bienvenue au Moustoir. La sécurité à mettre en avant. À savoir que le Moustoir, c'est pareil que la Ligue 1. Ça fait quand même, soir de match, ça fait quand même bosser pas mal de monde. Et à savoir, j'ai vu un article l'autre coup, à savoir qu'entre la Ligue 1 et la Ligue 2, il y a quand même une sacrée différence. Au niveau sécurité, en Ligue 2, ça emploie à peu près une cinquantaine de personnes soir de match. En Ligue 1,
ça en emploie 3 fois plus, 150 agents de sécurité. Donc pour vous dire l'impact que ça a quand même, malgré tout, quand une équipe essaye de se battre pour rester dans l'élite, hein. Donc quand j'appelle l'élite, c'est la Ligue 1, parce que voilà quoi. En tout cas, merci à tous et à toutes pour vos commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà. Ça va ? Voilà les agents de sécurité qui sont là. La télé qui est là. Je sais pas si ça se passe sur Canal ce soir ou pas, j'en sais rien. Mais je peux vous dire qu'il va y avoir une ambiance de dingue. Il va y avoir un... Ouais, Jonathan, je suis dans un stade de foot. Je suis au Moustoir, je suis à Lorient, voilà. Ce soir, c'est la grosse teuf. C'est la... On fête le... Ce soir, c'est... On fête le maintien de Lorient en Ligue 1. Merci, Romain, pour les étoiles. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, si vous aimez Life Solo, si vous avez envie de me soutenir, bah voilà, faites comme Romain. N'hésitez pas, si vous voulez partager quelques étoiles, je ne vous demande pas forcément de balancer vos 200 étoiles, mais grand merci à vous, en tout cas, merci à toi. Mais ça casse rien du tout. Faut pas croire que les ultras sont tous des vilains petits canards ou tous des méchants. Voilà, la preuve, bah, ce soir, j'ai mon accès avec eux et je peux vous dire que ça va très bien se passer. Donc ça, c'est ça le problème, c'est ce qu'on vous montre à la télé à chaque fois. On vous laisse croire que les ultras, c'est des vilains petits canards, que c'est tous des casseurs. Et c'est pas le cas du tout. Donc voilà. Non, c'était pas gratuit, mais j'ai un collègue qui m'a passé son abonnement ce soir parce qu'il venait pas et du coup, je me suis servi de son abonnement pour venir voir le match. Voilà. Bah, bisous FC Montréal en tout cas. Voilà. Bonjour les gens. Bah les amis, je vais vous laisser un petit moment. Bah merci en tout cas Romain, t'étais pas obligé de mettre toutes tes étoiles sur Life Solo, mais bah ça fait plaisir. Franchement, c'est très gentil de ta part. Juste pour info, je sais pas si t'as vu le prix des packs des étoiles. J'ai vu que c'était énorme. Moi personnellement, par rapport à Life Solo, je touche, je crois maximum, je dois toucher 2 centimes de l'étoile. Donc quand tu m'envoies un pack en fait complet de 200 étoiles, je touche 2 euros. Donc grand merci à toi en tout cas. Donc vous êtes déjà 2 ce soir à m'avoir lâché vos packs d'étoiles. Franchement, grand merci. Et voilà. Tout ce que je peux vous dire, écoutez, on se retrouve un peu plus tard en mode ambiance, comme d'habitude. Je vous ai dit, il y aura plein de lives ce soir. On en est déjà à 3, si je dis pas de bêtises. Vous avez vu l'arrivée des joueurs sur le live précédent. En quart, vous avez pu apercevoir Pélissier, Jérémy Morel. Enfin, moi, je l'ai vu, je sais pas si vous le voyez. Mais voilà. Donc grand merci à tous et puis je vous dis à tout à l'heure, je pense que les joueurs vont pas tarder à venir s'entraîner, j'essaierai de refaire un live quand ça va être en mode entraînement, mais en tout cas je sais que ça va être une sacrée ambiance ce soir. Voilà les amis, écoutez, vous voyez, hop, j'ai l'écharpe aussi parce que je suis un supporter du FCL bien évidemment, j'ai le petit drapeau, bref, voilà. Je vous remercie tous et toutes, je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout à l'heure pour un autre live. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao. Voilà l'ambiance, ce que c'est à Lorient, les amis. Thank you.
ensemble pour cette dernière journée. Tête haute et fière, allure guerrière, les merlus vont faire trembler l'adversaire. Ici c'est la mer, le feu et la terre, qui chauffe le vestiaire, la Bretagne entière. Debout l'Orient, chante l'Orient, du mousse-toi. Drapeau noir et blanc, tête haute et fière, allure guerrière, les merlus.